Hey, salut à tous, c'est l'épisode 5 de Master Quest, vous l'attendiez, le voilà. And today... Voilà, les bois perdus. D'ailleurs, j'en profite pour montrer un petit bug du jeu. On peut clipper à travers ce truc là-bas. Normalement, là, j'ai le bon angle. Juste, je vais vous montrer comment ça marche. Hop. Voilà, et d'ici, je peux aller donc à la rivière Zora, mais... c'est pas le but. Car aujourd'hui, on doit aller dans les bois perdus. Et Navi nous fait chier. Que dirait Saria en apprenant que nous devons sauver Hyrule? Justement, on va la voir. Parce qu'on est obligé pour continuer, parce que souvenez-vous d'Arunia, là, il nous a dit « Fuck the police !» Et donc, ouais, on fera ça après, ok. J'oublie un petit truc, mais c'est pas très très grave. Et donc, on est au bosquet sacré. On a un lobo. Oh, c'est bien un lobo. Et un petit labyrinthe, hein, de toute façon, c'est pas trop un labyrinthe, vu qu'on a la map. Et eux, c'est des pestes dingos. Faut que je leur envoie leur boulette et... Même pas obligé, tu vois. Ça qui est cool. Ta-da-ta-da. Qu'est-ce que je fais, moi? Ouais, je regardais autre chose. Je sais très bien qu'il faut passer par là, en plus. Eh, hey, dégage. Et je vais vous montrer un petit machin. On n'a jamais vu d'ailleurs encore pendant ce let's play. Donc, je vais monter cette échelle. Et là... J'ai raté. Il y a un petit trou. On va rentrer dedans. Oh, une fontaine des fées. Et le ciel qui devient bleu. Et on va en profiter pour aller en prendre une. Dans une bouteille, sans pitié. Et comme ça, elle pourra me heal une fois que j'aurai plus de cœur. Donc c'est un peu comme si j'avais un continu. Donc ça peut être cool. Surtout dans ce genre de let's play où on se met que trois cœurs en tant que challenge. Et donc Saria se trouve au bout de ses escaliers. On peut faire comme ça, tiens. Allez, crève. Et donc, l'ami Saria. Voilà. Notre meuf aux cheveux verts. Et la musique qu'on entend, bah ça vient d'elle. Et voilà, elle a un ocarina, elle aussi. Hein. Elle en avait deux, pour ça qu'on nous en a donné un. Jolie vue sur son entrejambe, qu'on n'a pas très bien vu, mais... Je t'attendais. Nous sommes dans le bosquet sacré, c'est mon jardin secret. Cet endroit sera très important pour nous deux. Ce sera le cas. Joue de l'ocarina et tu pourras parler avec les esprits de la forêt. Veux-tu jouer de l'ocarina avec moi? Ah oui. Essaye de suivre cette mélodie. Are you ready? Rejouons le chant. Et oui! Et voilà, j'ai appris un nouveau chant. Le chant de Saria. Bravo, bravo. Ne regardez pas la culotte de Saria, s'il vous plaît. N'oublie jamais cette mélodie. Entonne le chant de Saria si tu as besoin de me parler et de voir ma culotte sous la Xbox. Voilà, hein, c'est pour vous les mecs. Après les boobs de la sirène dans Donkey Kong 64 de Snap, la culotte de Saria. Et voilà, donc,
On a eu ce qu'on voulait. Donc ça, c'est cool. Et on va pouvoir se barrer. Et d'ailleurs, hop, on en aura besoin tout à l'heure. On va aller retourner chez les Gorons. Mais avant, on a un petit truc à faire dans les bois perdus. Alors je roule pour aller un petit peu plus vite. Même si... théoriquement, je vais plus vite en marche arrière. Ah, marche arrière. Oh, il m'a surpris ce con. Ouh, ouh. Saria, t'as-t-elle appris une chanson? Cette mélodie semble avoir de mystérieux pouvoirs. Tu apprendras sûrement d'autres chants au gré de ton périple. Ouh. Utilise ton ocarina avec C. Une portée apparaîtra. Je te conseille de jouer un chant que tu connais. Ouh. Je te conseille de jouer même si la portée n'apparaît pas comme ça. Ouh, 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 ouh. C'est nul. Veux-tu que je répète? Non. Et Bull dit qu'il apprendra à s'enregistrer dans le menu quête. Ouais, c'est mon statut, bon, c'est pareil. C'est le menu quête, bon, je vais le montrer. Vu qu'on en a deux. Hop. Et voilà, donc là, on a la berceuse de Zelda et le chant de Saria. On aura bientôt un autre après. Alors, on va faire un petit truc dont on aura peut-être besoin. Je sais plus si je vous l'avais montré, je me souviens pas du tout. Qui est juste à côté du truc des Gorons, donc on perd pas du tout de temps. Hop, c'est juste là. Cette cible là. Non, ça c'est le bouton de l'épée. Rhabitue-toi à la manette. Dans l'autre sens, rhabitue-toi au jeu. Et voilà, 3 en plein dans le mille de suite, et... waouh, peste mojo apparaît. Il y a toujours la graine en plein milieu qui brille. Tu es très fort, 3 fois dans le mille. Je me sens obligé de t'offrir un cadeau. Ouais. Yeah. Un sac de graines. Et maintenant, je peux avoir jusqu'à 40 munitions, donc c'est toujours ça de prix. Ça va nous être utile, sûrement. On peut aussi encore l'améliorer, mais... ah non, on peut plus l'améliorer. Ah, je sais plus. Ouais, je sais qu'on peut améliorer les noix mojo et les bâtons mojo dans la forêt encore. Enfin bon. Hop là. Et on va aller revoir Darunia. Parce que souvenez-vous, on nous a dit que... le Goron qui était à l'entrée des bois nous a dit bah c'est la musique préférée des Gorons. Et on vient de l'apprendre à l'Ocarina. D'ailleurs je vais prendre des bâtons. Il me semble que j'étais pas full. Voilà, puis il y a quoi dans ces là? Des rubis? Voilà, des rubis. Oh mais dis donc, la portée qui apparaît. Et là, épique moment du jeu. Are you ready? Hey. Voilà, on a Darunia qui nous fait une petite danse. Et qui pète un câble. Hein. Toi aussi, fais la même danse que Darunia. Hey. Oh oh. Wouhou. Pour faire la musique, donne-toi sa balance. Ah, oh, c'est chaud. Ah oh, oui, ça brûle. Quel rythme. Wouah. Yeah. Il imite Link, là. Avant de continuer l'épisode, reprenons cette même scène de danse, mais en changeant la musique. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style.
ça, c'est de la chanson. Voilà, donc je lui ai enlevé sa déprime. Comme un méga dingue. Mon nom est Darunia. Donc c'est le chef des Gorons. Hein. Ah oui, et là on lui explique le bordel, qu'on veut la pierre ancestrale. Eh ben il va nous aider. Mais c'est son trésor secret, nous l'appelons le Ruby Goron. Si tu l'avais vraiment, tu pourrais peut-être nous aider. On va nous rendre en service, bon, c'est pareil. Peux-tu détruire les monstres de la caverne de Dodongo? Comme ça, ben, on aide les Gorons, on les aide à avoir de quoi bouffer, et lui il va nous donner la pierre ancestrale. Mais déjà, prends cet objet. It's dangerous to go alone, take this. En l'utilisant, même un petit gars comme toi pourra déraciner des choupetteurs. Et voilà, le bracelet Goron. Qui, bizarrement, sur le modèle 3D, a le logo Goron qui est rouge, et sur l'icône 2D, c'est noir. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai le petit bracelet, hein, à mon bras. Et je suis plus fort, maintenant les choupetteurs, je peux les déraciner. Donc bah là, c'est ce qu'on voit au mur, mais ceux-là, je peux pas trop les... Okay. Je peux pas les déraciner, ceux-là. Alors, j'ai plus besoin de l'ocarina, hop. Y a quoi dans ces bâtons? Cœur. Ouais. Genre les choupetteurs qui étaient là-bas, bon, je vais pas y aller, mais... Vous avez très bien compris. Genre celui-là, là. D'ailleurs, au fait... non, c'est... Pour après, lui. Ouais, je réfléchissais à un truc. On ira le voir après, le gros gon, je sais plus ce qu'il donne. Alors, soit il donne un quart de cœur, soit il donne un plus gros sac de bombes. Au pire, c'est ce qu'on verra. Et j'ai enlevé le quart de cœur que j'ai eu. Hein, comme vous avez pu le voir, peut-être. Ouais. Ah non, bah il y a encore. Bon, bah, je sais pas pourquoi. Bon, on va pas chercher à comprendre. Je pensais que je l'avais enlevé. Que j'en avais repris trois autres et j'avais fait un code pour avoir trois cœurs à nouveau. Et donc, avec ce choupetteur et en le lançant délicatement, voilà, joli lancé. Et j'ai ouvert l'entrée de la caverne de Dodongo. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Voilà. Dans ce caillou, il y a trois cœurs. Toujours bon à savoir, dans celui-là, c'est que des rubis, et dans celui-là, c'est que des rubis. Et donc, la caverne de Dodongo. Et là, on va changer de bouclier, parce que c'est un donjon de feu. Après, le bouclier ilien sera beaucoup plus efficace. Alors, et là, j'ai un peu peur, parce que je crois me souvenir que dans Master Quest, on fait ce donjon à l'envers, en fait. Il me semble qu'on peut monter tout de suite en haut. Alors déjà, au fond, il y a des cailloux. Il n'y a plus la sentinelle au... Ta gueule, Navi, putain. Prends garde aux nombreux puits de lave. Merci, Captain Obvious. On monte maintenant. Voilà. Alors, dans la version normale, il y a une sentinelle au milieu. Ici, elle n'y est pas. Là je peux péter un mur, là je peux péter un mur, là je peux en péter... Ouais ok, on va essayer de péter des murs. Bon, le truc est redescendu donc on va essayer de péter ça. Oh, c'est un peu loin ça, non? Ouais, ok. Oh, je me souviens plus trop du donjon. Il n'y a rien ici, d'accord. Ah, je vous le dis, Master Quest, connaissance zéro, quoi. Attends, je l'avais fait une fois avec Wind Waker, une fois avec la version 3DS, voilà, quoi. Ça remonte à des années. Alors, on va essayer de péter l'autre, voir ce qu'il y a. Alors déjà, on a vu, il y a un coffre là-bas, mais on peut pas y accéder. Ah, tiens d'ailleurs. Merde. Ouais, il y a un bug de texture là. Hein. Ok, c'est bien ce que je pensais.
On fait le donjon à l'envers, donc. Super. Mais d'abord, on va essayer de péter les... Alors, par contre, tu remontes ou tu redescends avant? Tu remontes, d'accord. On va essayer de péter la porte qui est en face, là. Là-bas, il y a... Il y a une peste marchande qui doit vendre des boucliers mojo. Utile! Ce sera 8h. Non, il est 15h39, please. Non, je vais tellement vite que Link se relève pas, quoi. Hop, on va casser celui qui est là-bas. Et il y a un coffre, yes. Ça doit être la... ça doit être la carte. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ouais, c'est la carte. Ok, cool. Donc la carte, vous voyez, le donjon est un peu plus grand. C'est un bon signe. Enfin, un bon signe. Il y a plus de challenge, donc. Alors là-bas, c'est ouvert. Là, il doit sûrement... Il y a sûrement un interrupteur en haut. Et on va essayer d'ouvrir le truc là-bas, même si je doute que j'ai assez de temps. Et le coffre qui est là, ça doit être la boussole, alors. Je doute que j'ai assez de temps pour ouvrir le truc. On va tenter. Waouh, ça va être... Non. Ok, on n'a pas le temps. Donc, il me faut les bombes pour ouvrir ce truc. Et il faut monter. Tant qu'on n'a pas la boussole, la carte sert pas à grand chose. Pour l'instant, je l'enlève. Oh, quoique, je peux la laisser. Ouais, je la laisse. Ouais, je m'amuse. Et fun fact, ça, c'est le même rocher qu'il y a dans Mario 64. Avec marqué El Israel 2401, je crois. Et en dessous, je sais pas trop ce qui a marqué, on n'a jamais su. Cranjo de Dong Dong Go, quand il voit rouge, un nouveau chemin se découvre. Eh ouais. Donc j'ai pas le choix, faut que j'aille par là. Ok, donc ça va ouvrir la... Ça va allumer la torche qui est en bas. Voilà. Et ça ouvre la porte. Ok. On a vu le slip de Link. Génial. Alors on va essayer de pas trop se prendre de dégâts. Parce que j'ai plus que deux cœurs déjà. Mais je pense que... Oh lol! Pas trop ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Au pire, j'ai la fée. Hein. C'est pas trop un sosaï. Mais on a eu un joli bug de grippe sur la... Sur la... Comment dire, sur le bloc, voilà. Il a pas voulu s'agripper, ce petit con. Je connais à peine les timings du jeu. Alors. Ok, donc là il y a des choupetteurs. Et ça c'est une sentinelle. Et elle craint uniquement les bombes en fait. Ok, il n'y a pas de cœur ici, on aurait pu. Oh, ça aurait pu. Ça craint les bombes, c'est merde. Et donc les choupetteurs. Voilà. One shot, hein. Alors un petit cœur. Voilà. Cœur. Alors regardez, là-bas il y a une sentinelle avec un truc en dessous. Ah, c'est un rubis argenté. D'accord. Chose qui normalement n'existe qu'en étant adulte. Ça donne 5 rubis, ok. Mais d'abord on va aller dans ce... Ah, c'est pas une porte, je croyais, merde. Donc, on va
Ouais, ça va aller, ça va le faire. Limite, hein. D'accord, ok, j'ai compris. Alors, on va aller dans cette salle d'abord. Ok. Au moins, c'est réglé. Ok, ça fait réapparaître les monstres. On va exploser ces deux sentinelles là avant qu'elles nous. Merde. Avant qu'elles nous fassent chier. Ah, il aurait dû l'acheter là normalement. Allez! Je vais pas perdre ma vie sur ces merdes quoi. Voilà, t'es mort. En plus, il y a une espèce de bouche horrible. Et donc... mon cœur. Oh, rubis rouge. Ok, je suis full en rubis, donc. Et généralement, on a 5... quand il y a des rubis argentés, il faut qu'on en prenne 5. Et hop, on va le poser là, le choupetteur, et... Voilà, ça fait péter le truc. Et la plateforme descend. Et donc un nouveau chemin s'ouvre. Oh oui. Allez Link, avance. Oh, ne... What? Qu'est-ce que t'as, Navi? Waouh, mate-moi tous ces choupetteurs. Crois-tu pouvoir tous les faire exploser en même temps? Qu'est-ce que je viens de faire, là? Vous voyez que Navi est chiante. Ah là là, sacré Navi. Oh! Je m'y attendais pas du tout. Alors, j'ai pas le choix, faut que je prenne le bouclier mojo pour ce truc-là. Bon, allez... Bon, par contre, oui. Hein. Bon, je suis dessus, mec. Bon, tu me vends quoi? Un bouclier mojo, ouais, on va te faire mettre. Alors là, il y a un rubis. Il y a une school tout là. Ah, il y en a que 3. Ouais, il n'y en a pas que 3. Il va y avoir des rubis cachés dans les coffres. Dans les coffres, dans les caisses. Voilà. Hop, t'es morte. Bon, par contre, un cœur, ce serait pas mal. Hein. Ah, rien que pour les oreilles, quoi. Ok, donc l'autre rubis doit être ici, le quatrième. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Et le cinquième est là. Et ça va m'ouvrir sûrement la porte, voilà, bingo. Oh. Ok, on va reprendre l'autre bouclier parce que ces trucs crachent du feu et ce sont des... Dodongo. Et faut leur toucher la queue, comme ça. Waouh. Là par contre il y en a deux, donc... Hop, ça fait des dégâts x2 également, hein, le... Tournicoti, là. Hop, j'en ai buté un, il va exploser, alors faut faire gaffe. Il a tué l'autre en même temps, yes. Salut! Oh bah, toi, t'as pas duré longtemps. Oh! Ok. What? Serait-ce ce que je pense? Soit c'est la boussole, soit c'est les bombes. Dans ce cas, c'est la boussole. Ok, donc les bombes sont dans le coffre en bas.
Les bombes sont dans le coffre en bas. Ok. On va aller voir s'il n'y a pas des cœurs dans ces trucs. Ouais, non, mojo. On va juste péter celui-là. Ah, un cœur, yes. Full life. Et donc... je vais pouvoir accéder en bas via le chemin qui est en haut. Théoriquement. Alors, est-ce que je peux faire ce clip en étant enfant? Non. D'accord. Alors. Là, il y a des torches. En l'air. Fuck la logique. Alors, je suppose qu'il faut que je mette les cailloux juste en dessous. Par contre, la caméra serait un peu mieux que tu te mettes un peu plus haut. Voilà. Non. Ok. Doit y en avoir... ok, il y en a trois, donc. Et on va essayer d'avoir un meilleur angle de vue de la salle. Alors, on a la torche qui est là. Je peux monter ici? Ouais. Alors, qui est-il là? Parce que alors là, c'est... je m'en souviens plus trop. Mais genre, plus trop beaucoup. Attends. Ça, c'est un truc fourbe, ça. Il y a peut-être un truc derrière, là. Non, bon, ça aurait pu. Admettons. Alors, bon, on va allumer les trois torches qu'il y avait là. Grâce à ces rochers, qui sont magnifiques. Ah oui, fuck. Hop. On va le tirer 2-3 de coups. Même 4. Et on va prendre celui-là, donc. On va allumer les torches, on va voir ce que ça fait. Sûrement allumer la torche qui se trouve en haut, ou... c'est vraiment dingue comment je me souviens pas du tout des donjons de Master Quest. Waouh, quoi. Alors, la torche allumée était en haut. Voilà. Alors là, on a un petit coffre. J'ai l'air vite fait. Ok, les trucs sont plutôt bien mis. Ça va sûrement ouvrir la porte là-bas, en fait. Qui a un coffre. Ok. Peut-être dû le faire dans l'autre sens. Oh, magnifique, en plein saut. Ouais, donc ça... magnifique. Ça a ouvert la... ah non, j'ai pas besoin de le pousser, le truc. Ça a ouvert la porte qui était là-bas, c'est cool. On se demande ce qu'il va y avoir dedans, sûrement des rubis. Oh. Ok. Oh, ça marche pas. Bon bah on va les attaquer au lance-pierre. Des œufs de goma, c'est assez what the fuck. Bah vas-y, je le touche là. C'est assez bizarre comment c'est foutu la visée avec les graines mojo. T'as l'impression d'être dessus. Voilà, là je le touche là le truc, hein, on est d'accord. Voilà, faut viser un peu au-dessus, bon. Ça va sûrement me donner un coffre. Voilà. Avec une merde dedans. Et on entend une Skulltula d'or. On va aller la buter. Voilà, Ruby bleu, super génial. Hop, une Skulltula d'or en plus, je sais même pas combien ça nous en fait. Mais il nous en faudra quand même. C'est pas si inutile.
Et donc, alors... Hop, ça on le tire, on peut donc accéder à l'échelle. Ah, Zelda. Et là... C'est le guac. Alors, est-ce que ça l'a remis... Ok. Ah, quoique... Attends. Ah, ok, donc je peux sauter de là. Et bah, c'est à côté de cette torche qu'on va s'arrêter. Et je vous donne rendez-vous dans l'épisode 6. Et Link pose une crotte, voilà. Prout, prout. Non, je déconne. Allez, salut à tous et rendez-vous dans l'épisode 6.